Bonjour, c'est la médiathèque de l'Institut français de Dakar. Notre catalogue est enfin disponible en ligne. Dans ce tutoriel, nous allons vous le présenter et découvrir ensemble comment vous pouvez l'utiliser pour réserver vos documents. Pour ce faire, il faut d'abord se connecter au site mediathèque.ifs.sn, le tout sans accent et la page se présentera comme suit. Ensuite, vous pouvez vous authentifier ici, à gauche, en mettant à la partie identifiant le numéro qui figure sur votre carte. Et au niveau du mot de passe, votre année de naissance. Vous pouvez bien sûr changer le mot de passe plus tard si vous le voulez. Nous allons maintenant aller à l'onglet « Catalogue » pour choisir les documents qui nous intéressent. Selon que vous soyez enfant, ado ou adulte, et que vous voulez choisir des livres, des films ou de la musique, il vous suffira de choisir la localisation qui correspond à votre profil. Nous allons faire un exemple ensemble et moi, je vais cliquer sur « Espace enfant ». Là, vous découvrirez encore qu'il y a des onglets pour vous accompagner. Il y a les bandes dessinées, il y a les bleus qui correspondent aux 10-13 ans, il y a les contes jeunesse, les DVD enfants, la ludothèque, les roses qui correspondent aux 4-6 ans, les verts qui correspondent aux 7-9 ans et la sonothèque. Dans cet exemple, moi je vais cliquer sur rose. À cette étape, vous avez la possibilité de choisir les livres tels qu'ils vous sont proposés. Donc moi, je vais choisir 1, 2, 3, nous irons au bois. La fiche s'ouvre, j'ai le résumé qui m'informe de ce dont parle le livre. Je le lis, il m'intéresse, je vérifie si le livre est disponible. S'il est disponible, je clique alors sur « Réserver ». Je clique sur « OK » et ensuite, je regarde à ma gauche pour voir si le livre est réellement dans mon compte. C'est OK. Là, c'est le premier chemin. Le deuxième chemin consiste à saisir directement dans la barre de recherche le titre du livre que je cherche. Et ensuite, je clique sur la loupe. La recherche est finie. Je clique sur mon livre. Je lis encore une fois le résumé. Je vérifie s'il est disponible et je clique sur « Réserver ». Je clique sur « OK » et je vérifie s'il est dans mon compte. C'est OK aussi. Donc là, c'est bon. Pour vérifier si tous les livres que j'ai choisis sont dans mon compte, alors je reviens sous mon nom, je clique sur « Accès rapide » et sur « Mes réservations ». Et là, j'ai la liste de tous les livres que j'ai réservé. À cette étape, si je ne veux plus prendre un livre, il me suffira de cliquer sur « Annuler la réservation ». Ensuite sur « OK ». Et le tour est joué. Et là, j'ai la totalité de mes réservations. Après réservation, vous serez contacté par l'équipe de la médiathèque pour vous notifier la disponibilité des documents et vous donner un rendez-vous pour les récupérer. Pour de plus amples informations, cliquez sur l'onglet « Plus d'infos » pour avoir des informations pratiques sur la médiathèque. N'hésitez pas à nous contacter et nous serons ravis de vous accompagner dans l'utilisation du catalogue, le choix de vos documents et aussi pour des suggestions. On se dit à bientôt.